Nous sommes toujours au symposium de Bécomo. Je vous rappelle que le 23 avril dernier, lors du gala de l'Académie internationale des beaux-arts du Québec, Maître Palmartz a été nommé ambassadeur international. Mais il n'était pas là car il était en Europe. Alors c'est aujourd'hui que je vais avoir le plaisir de lui remettre celui qui confère ce titre de ambassadeur international. Roland, voilà une chose. Oui, merci beaucoup. Et voilà le trophée qui accompagne. Formidable. Ton papier le prouvant, merci ce que je viens de dire. Louis. Grand merci. Ça fait plaisir beaucoup. Alors Louis, on te remercie beaucoup. C'est un grand honneur pour nous et on vous remercie de l'ensemble du travail qui est fait pour la communauté artistique. Et finalement, en Europe, on circule beaucoup et on fait valoir le nom de l'Académie à travers toutes les représentations qu'on fait. Un grand merci à vous. Merci. Je te remercie beaucoup, Roland. Et voilà, vous avez pu voir aussi, vous verrez aussi le travail de démo que fait Roland Palmartz quand il montre ce qu'il peut faire. C'est inimaginable. Il faut s'arrêter à regarder sa galerie dans artgalerie.com, ainsi dans son site web aussi d'ailleurs. Alors Louis, on pourrait aussi parler de la revue Artissime qui est éditée à Paris par son président qui est Pierre Girardin, avec des différents collaborateurs, de belles plumes du Figaro, du Nouvel Observateur, et ils font de magnifiques articles pour des artistes, mais de différentes disciplines. Alors, éventuellement, je sais que vous travaillez en collaboration et qu'on peut revoir de leur production sur votre site. Et voilà, c'était un petit mot pour eux. Mais ça nous fera un vrai plaisir parce que nous connaissons cette revue que nous trouvons nous-mêmes très belle. Et ce sera toujours avec plaisir que nous pourrons participer à leur collaboration, avec leur collaboration, à tout ce qu'ils pourront faire. Parfait. Avec plaisir. Merci beaucoup, Louis. Au plaisir.